Hello, salut à toutes et à tous, Sidia, on se retrouve en cette magnifique journée, le soleil brille, le ciel est bleu, les mouches volent, il y en a une dans mon appartement d'ailleurs. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on va continuer. Soma, nous étions arrivés dans l'épave du Curry. Curry, hein, oui, je crois. Et on est censé trouver un navire de secours qui fonctionne. Tu viens avec moi. Qui fonctionne pour aller à Theta. Et on se faisait Oula, chargement, très bien. On se faisait attaquer pour ouais, le MS Curry, parfaitement. Heavy duty semi-submergible, j'arrive pas à lire la suite. Et on est censé aller à Theta, je sais plus pourquoi. Je sais qu'il y a un truc en mode... il y a un truc qu'on veut faire là avec des intelligences artificielles. Genre oui, il y a les esprits des gens qui ont été scannés. L'esprit des gens qui ont été scannés et on est en mode... Il y a un petit bâtard. Il y a un petit bâtard. Saute, vas-y, passe. Ouais. Ici, pas où. Oh non! Il y a une porte pas ici. Je crois que je suis en train de revenir sur mes pas là. Ah shit. Par là. Non, c'est encore notre cul-de-sac. Ok, apparemment il y a des portes à ouvrir et autres. On est dans la merde. Shit. Ok. Vous avez eu une fois. Ah mince, je suis complètement désorienté, je sais pas où est-ce qu'il faut que j'aille. Oh shit. Il est déjà là. Mais il nous a pas vu encore. Sérieusement, il nous a vu? Il avait une porte armée, quoi, ça arrive parfois. J'ai pas de truc pour me cacher et tout. T'as amnésia, il y avait des trucs pour se cacher. Ça, je peux choper, mais ça sert à rien. Là, je vois rien. Rien d'utile là-dedans non plus. Rien qui brille en tout cas. Goddammit. Donc ouais, il y avait les esprits qui avaient été balancés dans une espèce de puce ou je sais pas quoi dans l'espace là. Et ça pas atteint l'espace, alors squelette. Ça pas atteint l'espace et du coup on essaie de... Bon ça s'ouvre pas. C'est sûr que ça s'ouvre pas. Et du coup on essaie d'atteindre la puce, ou je sais pas ce que c'est, pour le balancer dans l'espace. Et potentiellement mettre notre esprit dedans, j'imagine. Parce qu'au point où on en est, hein. Oh goddammit. Il est complètement derrière, mais qu'est-ce que je lui fasse, mais...
Non, 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 hey, oh, je suis caché, je suis caché, je suis caché. Non. Oh. Bon, bah c'est une session qui commence très bien. Je pense qu'on a atteint le stade où avant il était juste là pour dire bonjour, je suis là, je suis méchant. Mais là on en est au stade où il faut qu'on commence à faire des trucs alors qu'il est dans les parages. Mais ouais, dans Amnesia, tu peux te cacher sous les lits ou faire des choses. Et là, c'est en mode. Ça, au moins, on a le checkpoint qui est pas trop loin. Checkpoint est pas trop loin. Le tout, c'est de trouver notre chemin. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Je le vois pas. Je le vois pas. Je le vois pas. Je suis paumé. Je suis paumé. Putain, il doit être juste là. Je pense qu'on a réussi à passer de l'autre côté du mur qu'on n'arrivait pas à franchir avant. Là, je vois rien. C'est pas une porte. Ok. Je sais pas s'il est tout seul ou s'il y en a plusieurs d'ailleurs, mais de toute façon il se téléporte du coup il s'en fout. Non, ça c'est fermé. Enfin c'est fermé, c'est une chambre, y'a rien. Là je vois rien non plus. On s'éternise pas, on s'éternise pas. Ça c'est fermé. Ok. Cool cool. Ça c'est une chambre, y'a rien non plus. Sérieusement? Là, ici? Non, y'a rien vu. Shit, hein, je crois qu'on est revenu au point où on était avant. Non, mais c'est. C'est naze de crever à cause de ça. Sérieusement. Et du coup, on est paumé dans le même coin qu'avant. Super, gros stuff. Ça s'ouvre pas. Bon, allez, tant pis, on lui fonce dessus là. Oh, tiens. Oui, on s'est trompé de chemin. Non mais c'est chaud, sérieux. Ah bah on n'est pas mort encore. Ouf, ouais. Le mec qui résiste, hein. Bon alors attends, par là c'était le cul-de-sac. Du coup, on passe comme ça, on passe comme ça, on passe là. Le mec il claudique, il en peut plus. Il en peut plus, le gars. Oh yes, oh yes. Non, je suis pas là. Ciao. Là, vite, vite, cours, 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 merde. Toujours pas mort. Ah, c'est magique. Ah, le gars qui en peut plus. Ouais, non, mais faut que j'aille où, là? Ah, il y avait un tournant, ici. Enfin, mais c'est un autre cul-de-sac, encore. Mais il y a beaucoup trop de cul-de-sac dans ce truc. Moi, je m'en fous, je cours. Hein. Attends, est-ce que c'était vraiment un cul-de-sac? Putain, je vois rien. Ah, voilà. C'est vrai que j'ai une lampe de torche. Une lampe de torche. Pas une lampe torche, hein, c'est une lampe de torche. Je suis en train de faire le chemin inverse de ce que j'avais réussi à faire avant. Je crois. Je suis tellement paumé, mec. Je suis tellement paumé, si je trouve la sortie, c'est un hasard complet, tu sais. Par contre, il faut que je fasse un truc. S'il faut faire quelque chose, alors là, je suis décédé, là.
Bonjour, des écrans, non? Non, rien, rien du tout, rien d'intéressant. Ok, cool la vie. Il passait où l'autre? Je vais pas tarder à trouver, j'imagine. Toujours rien ici. Là, ça c'est le passage où je suis passé, là. En mode ouais, je m'infile, tout ça, c'est cool. En vrai, je sais tellement pas où est-ce qu'il faut que j'aille. F11. Je sais pas quel chiffre et lettre il faut que j'atteigne. Je mets la lampe torche et tout, je m'en fous. J'ai vu un truc briller avant. Je suis pas très serein. Non, ça c'est les trucs qui m'ont sauvé avant, là. Ça, c'est le F12. Ça arrête pas de briller, là, à chaque fois, là, en mode... Désolé d'exister. Là, j'ai l'impression d'avancer F11. Ah ouais, mais je suis bête, moi. Il y a ça, là. Ça, j'ai pas activé, ça. Ah bah voilà! On va monter, hein. On va monter. Je pense que le mec s'est juste cassé au bout d'un moment. Il en avait marre. Pouvoir des plantes, tout ça. Oh! Ah, c'est bien, c'est bien. Un petit checkpoint, ça fait plaisir. Ça fait du bien, ça fait du bien. Je vais redire encore une fois, ça fait du bien. Il y a des trucs à voir là? Non, 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 non. Je pense qu'on est plutôt dans une phase de panique. Plus dans une phase de panique qu'une phase de recherche sur le monde. Je peux choper ça, ça ne sert à rien. Ouvre. Ouvre, je te lis. Alors, on est au F2.3. Oh putain. Musique d'angoisse, musique de tu vas mourir. Il y avait un checkpoint avant. Il y avait un checkpoint avant. On se répète, il y avait un checkpoint avant. Faut que j'arrive à trouver l'anémone. Si je trouve l'anémone, je suis bien. On va quand même vérifier qu'il n'y a pas un truc par ici. Parce que si je loupe un truc, après je suis en panique. Je suis pas bien, je suis pas bien, je suis pas bien, je suis pas bien. Non, si, non. Ok, ça a l'air d'aller, ça a l'air d'aller. On est plutôt serein là. On est plutôt serein. Ça ne brille pas, on n'a pas de. À tous les membres de l'équipage. Oui. Bonjour. Bonjour, capitaine. Des écrans, par une qui. Tu. J'aurais dû aller là où il y a de la lumière, hein. Là où il y a de la lumière, c'est cool. Ouais, je vais utiliser ça, c'est quoi? Oh putain. Ouais, déplace ce truc. Take a look at the engine room and see if you can figure it out. Maybe there's an override or something. There's monsters out there, like the ones we saw at Lambda. The more reason to get going. What? Come on, you know the drill. Don't look at them or get too close, it'll mess with your circuits. Ah, shit. Moi, je veux bien, mais. We need to get out of here. Mais si je regarde pas, il me met une baigne, hein. I know, I'm going. Something is stabilizing the ship. We need to let it know this is an emergency. Ah, bon, ok, d'accord, je peux pas reprendre mon... Bon, ok, d'accord, ça marche. Je ne peux pas reprendre mon Omnitool, hein, c'est interdit. Putain, il y a l'autre qui m'attend derrière, en mode, je crois qu'il est rentré par là. Bon, bah, j'ai juste réussi à perdre mon Omnitool. Bon. Allez, on va à la salle des moteurs, et on retourne ici. Putain, il m'attend tellement derrière. J'espère que ça a checkpointé, ça. On s'approche pas et on les regarde pas. Mais je sais pas où il est. Bon, visiblement, il est par là. Wouhou! Où la porte? Oh shit! Allez, on fait comme ça. Il me barre la route. Je sais pas où je vais. Je sais pas où il est. Je sais pas, il est tellement juste à côté en vrai. Je fais tout le jeu comme ça, hein, c'est bon. Non, non, je te regarde pas. Ah. Ouais.
Je te vois pas. Là 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 là. Oh, escalier. On pose. Je suis où? Comment je fais? Comment je fais? C'est une porte? Dites-moi qu'il y a une porte. Dites-moi qu'il y a un truc. Oh la haine. Oh la haine. Oh, une bouche. Ok. Recon. Recon. Faut qu'on passe par là, ok. Je sais pas du tout comment je suis venu ni rien. J'arrive pas à reconnaître la topo. Ok. 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 C'est où la salle des moteurs? Monsieur? Monsieur, la salle des moteurs? Bon, allez, on retente la technique. Hop! Et on est reparti. On est reparti pour un tour. Ceci est une pièce fermée. Ceci est une pièce fermée. Ceci. Ceci est un cul-de-sac. Oh, le stress! Ça passe complètement. Je suis en train de refaire tout le tour de la pièce de l'autre côté. C'est magique. Ce qui est en train de se passer est complètement magique. Il y a une mouche. Ah! Ça passe. Ah, mais en vrai. En vrai, il est pas vraiment colère. F22, mais j'ai l'impression que je reviens sur mes pas là, je suis paumé comme pas possible. Ok, cool. J'ai trouvé des escaliers, mais visiblement ça m'emmène nulle part. Allez, on y retourne. Wouh! Non, ça ne sauve pas la vie de faire ça. Bon, non, mais le mec il me spawn à la tête là. Ah, je suis désolé, mais il y a de la haine là. Alors, j'ai vu que là il y avait des trucs et tout. J'étais monté ici, mais ici il y avait rien. C'est pas ici la salle des moteurs? C'est pas ici, je suis déçu quand même. Dire. Je suis complètement déçu. Plop. Y a pas d'indication ni rien là en mode salle des moteurs au premier à gauche. Je peux pas passer comme ça non plus. Il y a de la haine. Hein. Il y a complètement de la haine. Ça, je peux pas l'utiliser. Bon, ok, d'accord. Ça a pas l'air d'être là. Je comprends rien au sens de ces escaliers. Salle des moteurs. Oh putain, sa mère. Sa mère. Sa mère. Boule de lumière là. Oh, escalier. Escalier par là. Putain, le mec, il est tellement en train de mourir. En tout cas, ouais, je pense qu'ils sont plusieurs, du coup. Même si c'était les portes. Le mec, il était en bas. Il y a des monstres. Après, il en sait rien, c'est Simon, tu vois. Ah, on est passé au troisième floor. Ah, il y en a un autre, là, c'est sûr. Tu danses sur le floor. Putain, faut que j'aille où, moi? La salle des moteurs, please.
Non, c'est pas ça. C'est pas très très moteur tout ça. Putain, je suis sûr que je vais passer à côté en plus en mode. Je vais pas voir qu'il faut que j'active un truc. Que est en sécurité, oui, oui, c'est ça, oui. Il y a rien ici. C'est la dèche totale. Sécurité en sécurité, sécurité en sécurité, je me ferai pas attaquer par des scaphandres géants lumineux, hein. Waouh. Putain, le mec. Pauvre Simon. Nous, on t'aime, Simon. Nous, on t'aime. Oh, je crois qu'il y a vraiment rien dans cette pièce, hein. C'est vraiment la loose. Il va falloir aller dans les petits couloirs. Et en plus, après, il faut que je retourne dans le dans les étages du bas et tout. La haine est réelle. Mais il y a un autre escalier ici direct. C'est un peu la délivrance en fait. Ah. Bah, j'irai pas plus haut, hein. Eh. Non. Ouais. Bon, bah très bien. Du coup, je propose qu'on ouvre cette porte. Le plan a été refusé à l'unanimité. On va éviter de la faire claquer. Hein. Cette mouche, j'ai essayé de la faire sortir. Hein, je... La chasser en dehors de la fenêtre, mais... Elle a pas voulu. Elle est très tenace. Eh, ça ressemble un peu à une salle de stock, ça. Généralement, les salles de stock et les moteurs, c'est pas trop trop loin les uns des autres, non, je sais pas. S'il vous plaît, quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut me renseigner sur l'architecture de ce bâtiment? Bon. Ça a l'air pas mal, ça. Bonjour. Ah, nous avons droit à un checkpoint. J'espère que c'est un checkpoint et pas du loading, mais... Eh mais il y a des anémones de sa mère, là. Ah, les mecs, ils ont fondé toute la technologie sur les anémones. Ça marche pas, ça, les mecs, hein. Les limaces, les anémones, tout ça, c'est pas des bons plans. Bioshock et ça... Ah, mais cette mouche, elle va me tracasser le fin fond de ma vie. Bonjour. Attends, merde, j'ai fait du bruit. Je suis désolé. Oh, une chaise. Y'a rien ici. Enfin, y'a ça là. Oh, toi, je t'ai marqué sur ma liste. Ah bah non. Gros stuff. Ceci est une porte fermée, je veux dire. Tout ce build-up pour une porte fermée. J'y vois que dalle en plus. Pourquoi t'es fermé toi? Qu'est-ce qui te motive dans la vie à être fermé? Oh sa mère. Sérieusement, j'ai trouvé un truc un petit peu en mode waouh. Il se passe des choses. Je suis sûr que je vais devoir revenir ici en plus. J'aimerais bien les toucher toutes ces éléments. Ah mais attends, mais je peux les atteindre les trucs. Ah très bien. Réacteur temporel stable. Ah bah écoute, moi je vais tout péter. Ok, j'ai peut-être un peu mis le bordel. Ah mais oui, mais c'est ce que me disait la Joseline, en mode... En mode de tout est stable, machin... Oh non. Non. Shit. Oh bah bien sûr, seul cul-de-sac. Oh. J'avais pas vu les escaliers. Oh là là. Le mec dans une course-poursuite, il fonce vers le cul-de-sac, il est en mode... Ah bah, les courses-poursuites à l'Hollywoodienne, avec moi, elles seraient pas mal. Hein. Allez. Mais oui, c'est vrai, c'est la salle des moteurs, c'est là où on était, en fait. Il fallait tout débrancher, ouais. Ça fait sens. En plus, on a eu un checkpoint juste avant, non? Dites-moi que c'est un checkpoint.
Ok. Bon, on en pète un ou deux et on se casse, hein. Tellement endommagé, sérieusement. Le mec pas doué était... Ok. Allez. Allez, allez, tête de champignon. Putain, vas-y, fais cette course à 3 FPS aussi. Ça court, ça court, ça court, ça court. Ça court, ça court. Non mais non mais non mais je suis bloqué là. Wow. Putain sérieux mais je touche les plafonds et tout, je comprends pas. Ah. Oh merde merde merde, c'était pas là. C'était là, c'était là. C'est bon, je le tiens. Can you steer this thing? Starboard rudder is choking, but I can compensate. How do you even know what direction we're going in? Don't worry, I'm hooked up to the navigator. We're headed for Theta, should be a matter of minutes. I thought I was done for back there. Seems like the WoW is keeping the Curie from going into a catastrophic failure state. I mean, how did it get on the ship? Are you talking about the black tentacles in the engine room? I've seen them before at Upsilon. What are they? They're a manifestation of a malfunctioning station-wide artificial intelligence called the WoW. Station-wide? So we just made a powerful enemy. No, no, it's not like that. The AI isn't a persona. It doesn't feel or think like we do. It's more like a cancer. Was that the ship? Looks like your sabotage worked better than expected. Brace for impact! Hold on, the blast just pushed us off the plateau! What does that mean? If I don't hit Delta, we're dead. Ah mais là, attends, j'aime ça. Bon, la course à 10 FPS, là, surtout les escaliers avec la pesanteur dans l'eau, t'es en mode, je me prends le plafond, j'arrive pas à avancer, il faut que tu perdes la vitesse et tout, c'est n'importe quoi. Mais je suis plutôt fier de nous, parce qu'on a trouvé le chemin, rapidement. Bon, bah, on commence à avoir l'habitude de se crasher. Je crois qu'il n'y a pas un seul transport qu'on a pris qui a fait le chemin qu'il était censé faire. Je suis en train de voler dans tous les sens, ça c'est n'importe quoi. Oh, wow, par là, par là, par là. Ok. Bon. On a récupéré l'Omnitool avec Joseline dedans. Maintenant. I'll never get this open. Shit. Jimmy? Jimmy, t'es où? Il faut un truc pour me protéger. Oh shit. Hey! You're the rescue team, huh? Good job. Un robot sympa, enfin. Est-ce que tu sais comment est-ce qu'on va à Theta, Choupi? Non? Toi, tu viens de Delta, non, c'est ça?
J'imagine que je peux aller par là.